Ce mercredi 6 février, les fans d'Alain Chabat vont être servis alors qu'il avait laissé les commandes de Burger Quiz. L'humoriste revient derrière les fourneaux pour présenter le jeu. Et cela pour une très bonne raison. Si le lundi, c'est ravioli, pour ce qui est du mercredi, les Français sont plutôt friands de frites fraîches accompagnées d'un hamburger. Oui, mais pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit de ceux qui sont proposés par TMC sur les coups de 21h. De retour à l'antenne après un an de succès sur Canal+, d'août 2001 à juillet 2002, Burger Quiz régale désormais les téléspectateurs de la TNT, et ce depuis, déjà moins avril 2018. Avec une recette inchangée et pimentée par l'humour génial des auteurs, le jeu réunit chaque semaine une clientèle affamée de blagues délicieuses. Un menu servi tout d'abord à la perfection par Alain Chabat, avant que ce dernier ne décide de raccrocher son tablier. Enfin, jusqu'à ce que l'annonce d'une invitée ne lui donne assez d'eau à la bouche pour qu'il veuille faire son comeback. Ce mercredi 6 février, le Burger Quiz met les petits plats dans les grands avec une carte d'invité 5 étoiles. Et pour cause, le public aura la chance de découvrir Vincent de Dienne, Vincent Lacoste ou encore Cara Mastroianni se payer une belle tranche de rire en se disputant les questions nuggets sous sel et poivre. Mais c'est loin d'être tout, le célèbre jeu pourra aussi compter sur la merveilleuse présence de Catherine Deneuve des Combles du Condé. La célèbre actrice jouera contre sa propre fille, Cara Mastroianni, donc. Catherine Deneuve est l'invitée exceptionnelle de Burger Queen. Et, pour l'occasion, Alain Chabat revient aux commandes de l'émission ce soir, à compter la 10e chaîne aujourd'hui. Un menu savoureux, et d'or et déjà royal.